Hey, salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir pas mal de news, alors comme d'habitude, restez jusqu'à la fin. Je vais aussi vous montrer comment avoir des V-Bucks gratuitement et donc vous acheter le pass de combat si jamais ce n'est pas encore le cas. Du coup, je compte sur vous pour liker un maximum de fois cette vidéo, c'est très important. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifs. Et pour finir, pensez à mettre mon code créateur dans la boutique, le code TOTO, T-O-T-O. Et à m'envoyer une photo sur les réseaux pour que je vous ajoute en ami. Du coup les mecs, ça y est, le pass de combat et la saison 3 sont enfin disponibles et vous avez été nombreux à me demander de vous l'offrir. Malheureusement, vous vous en doutez bien, c'est beaucoup trop cher et je peux pas me le permettre. Par contre, ensemble, eh bien on va pouvoir et j'ai trouvé une belle solution. Avant tout, pensez à me suivre sur les réseaux, j'ai déjà organisé des concours pour ceux qui seraient intéressés. C'est plus simple, mais par contre vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner. En revanche, l'astuce que je vais vous montrer va vous permettre d'avoir une chance sur deux d'avoir le pass de combat gratuit grâce à moi. Et puis sinon, vous l'aurez quoi qu'il arrive en suivant mes indications. Du coup, pour faire simple, et je pense que vous en avez énormément entendu parler ces derniers jours, on va parler de TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur TikTok grâce à mon lien, je gagne 5 euros. Et en fait, l'avantage dans tout ça, c'est qu'en plus de m'apporter de l'argent, vous aussi, vous allez pouvoir en gagner. Ça veut dire que de mon côté, je vais pouvoir organiser de nombreux concours et vous faire gagner des dizaines, voire des centaines de passes de combat. Et en plus de ça, de votre côté, vous pourrez acheter des V-Bucks et en faire ce que vous voulez. Du coup, si vous êtes intéressé à la fois pour les concours et aussi pour générer des V-Bucks gratuits, eh bien, écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Pour commencer, dans la description et en commentaire épinglé, vous aurez mon lien TikTok. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous arrivez donc sur cette page, c'est tout simplement une invitation à rejoindre TikTok. Ce que vous pouvez faire, c'est copier le code qui est écrit, donc 326 918, et dès que cela est fait, vous allez télécharger et rejoindre TikTok. Alors un point très important, il ne faut pas avoir eu TikTok avant sur votre mobile. Donc si par exemple vous aviez déjà TikTok, essayez d'utiliser le téléphone de quelqu'un d'autre, que ce soit vos parents, votre famille, vos amis, et c'est la seule façon afin que vous ayez de l'argent par la suite. Du coup, vous allez être redirigé pour télécharger et installer TikTok, chose que vous faites. Et par la suite, en lançant l'application, vous arriverez sur cette page. Tout ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est rentrer mon code, donc 326 918, et vous cliquez sur la touche confirmer. Vous arrivez donc sur cette page où vous allez devoir vous inscrire à TikTok. Vous pouvez utiliser de nombreuses choses, que ce soit un numéro de téléphone, une adresse mail, Facebook, etc. Du coup, après votre inscription, les potes, ça va vous demander votre signe astrologique dans l'astro TikTok. Eh bien, les potes, si vous voulez gagner 600 étoiles directement gratuitement, ce qui représente de l'argent, il vous suffit de mettre le signe astrologique Sagittaire. C'est celui qui est le plus compatible avec moi. Et du coup, bah, dès que vous aurez fait ça, vous aurez 600 étoiles, ce qui correspond à de l'argent que vous pourrez récupérer gratuitement. J'ai oublié de le préciser, mais lors de votre inscription, il faut mettre une date de naissance de quelqu'un qui est majeur, c'est obligatoire. Du coup, par la suite, si vous voulez gagner encore plus d'argent et donc atteindre par exemple les 10 euros de V-Bucks, il ne vous reste plus qu'à être actif sur l'application pendant quelques jours en regardant quelques TikTok chaque jour. Et du coup, comme vous le voyez sur cette vidéo, moi j'ai accès à la totalité de ceux qui m'ont soutenu de cette manière, donc toutes les personnes qui m'ont apporté 5 euros. Et en fait, dans cette liste, eh ben, je vais pouvoir en contacter des dizaines, voire des centaines si vous êtes très nombreux, afin de leur offrir gratuitement le pass de combat. Du coup, plus vous serez nombreux, eh bien, plus je pourrai en offrir. C'est gratuit, c'est une manière entre guillemets de générer de l'argent, donc c'est plutôt cool. Je vous tiendrai informé évidemment de tous les concours, etc. sur les réseaux, mais surveillez vos messages, notamment sur TikTok, afin d'être prévenu si jamais vous avez gagné. Du coup les mecs, j'espère que cette astuce vous plaira, et maintenant bah, on va pouvoir attaquer les news de la vidéo avec tout le contenu de la saison 3. Pour commencer, il y a différents fichiers qui sont encryptés et ils contiennent différentes choses, l'agent Genesis, le tranchampignon, la Renegade Raider nouvelle version et Fournaise. On a aussi, comme vous le voyez, pas mal de sacs à dos, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus.
Du coup, comme vous le voyez tout de suite à l'écran, voici une photo du skin Loser Fruit qui devrait pas tarder à sortir dans la boutique. Après plusieurs semaines, on l'attend enfin et j'ai vraiment hâte. Et du coup, passons maintenant aux différents skins qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Alors on commence avec Ghost Hush. C'est un skin qui existe déjà mais qui a été reproduit en variante fantôme entre guillemets. Alors j'ai rien à dire, il est vraiment trop beau avec quelques parties en or. Franchement, je l'adore. Ils ont fait la même chose avec le skin Joker Ghost Wildcard que vous voyez à l'écran. Et mon skin coup de cœur dans les leaks, eh bien c'est évidemment l'agent du chaos en version fantôme. Du coup, pour commencer, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 skins qui sortiront donc au prix de 1500 V-Bucks. Ensuite, comme vous le voyez sur cette photo, le skin Renegade Raider qu'on peut aussi apercevoir à un moment dans le trailer est bel et bien dans les fichiers du jeu et il sera bientôt disponible. Alors est-ce que c'est une variante pour ceux qui ont déjà le skin ou est-ce que c'est un nouveau skin à acheter? Je pense que c'est la deuxième solution, donc n'hésitez pas, si vous l'achetez, à me soutenir dans la boutique. Et sinon, évidemment, on a trouvé d'autres skins dans les fichiers du jeu, en commençant par celui-là, qui est plutôt stylé, un skin masculin qui sera au prix de 1200 V-Bucks. Ici, on a le skin Trench Trawler, un skin assez marrant, le skin du phare en fait. Là, on retrouve le skin Scarlet Serpent, et je la trouve vraiment jolie. Et pour 1200 V-Bucks, on aura donc deux variantes. Ici, on retrouve le Wave Breaker. C'est peut-être lui qui a brisé le tsunami par rapport au nom du skin et il sera donc à 1500 V-Bucks. Là on retrouve le nounours robotique, lui aussi au prix de 1500 V-Bucks, un skin qu'on attend depuis très longtemps dans le jeu. Et pour terminer, un nouveau skin sombre, Night Gunner, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas tout, on a également trouvé des objets qui vont faire leur apparition dans les semaines à venir. On commence donc avec le Flare Gun, le pistolet de détresse qui, oui, a été dataminé et devrait donc faire son apparition en Battle Royale. Celui-ci sera capable de faire 60 points de dégâts aux ennemis, donc ce sera un genre de pistolet assez utile. Ici, on peut retrouver comme un genre de cocktail Molotov, Firefly Jar. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et justement, on sait que le feu a été ajouté. Vous pouvez tester ça au niveau des stations à essence. Alors pourquoi pas justement un cocktail Molotov. Et sinon pour ce qui est déjà dispo dans le jeu, on va quand même faire le récapitulatif car on n'a pas eu de patch note. En termes d'armes et véhicules, on a la P90, les Splash, la carabine, le pompe chasseur a été retiré et remplacé par le nouveau pompe. On a le retour du sniper coup par coup. Et du coup au niveau des armes mythiques, on a le grappin à planeur qui ressemble à celui de Batman, le lance-grenade à répulsive, la gourde du brave rechargeable, ça c'est plutôt pas mal, le pompe à charge de kit, le pistolet tambour et la hogue d'Océane. Donc du coup, moi je trouve que les armes mythiques sont plutôt pas mal, même si forcément elles sont un peu abusées. Sinon les gars, vous avez été nombreux à me poser la question. Dans le trailer en effet, on peut voir des véhicules, on voit que les personnages conduisent n'importe quelle voiture, les camions, etc. Et puis petite déception, en lançant le jeu, on s'est rendu compte que c'était pas encore possible. Eh bien je pense que ça arrivera dans quelques semaines lors d'une mise à jour, un peu comme à l'époque, les hélicoptères avaient été annoncés avant même d'être disponibles. Par contre, il y a un autre moyen de déplacement qui est déjà disponible, c'est le fait de faire du ski nautique accroché à un requin. Pour ça les gars, il vous faut une canne à pêche, vous pêchez pas loin d'un requin et normalement il va mordre à l'hameçon et vous faire avancer. En termes d'évolution de la map, vous avez remarqué qu'il y a énormément d'eau. Il y a presque la moitié de la carte qui est recouverte d'eau. Alors en soi, c'est pas problématique parce qu'on a beaucoup de bateaux, on a pas mal de moyens de rota et ça c'est vraiment cool. Mais du coup, comme vous le voyez sur cette frise chronologique, au fil du temps, la map va sécher et l'eau va diminuer. Et du coup, à la fin, bah, on retrouvera quasiment la map de la saison 2 du chapitre 2. Bon, évidemment, on aura les nouveaux lieux, etc. Donc ce sera pas totalement la même, mais au niveau de l'eau, bah, il y en aura quasiment plus. Sinon, pour terminer les gars, vous avez été aussi pas mal à me poser des questions sur Aquaman. En effet, on aura normalement un nouveau défi chaque semaine, un peu comme avec Deadpool. Le skin Aquaman, vous le voyez à l'écran avec les graphismes au maximum et je dois avouer qu'il est magnifique. Il ressemble fortement au personnage et aussi à l'acteur. Du coup, je trouve qu'on peut féliciter Epic Games pour ce skin. Ça fait plaisir et puis voilà, franchement, ils l'ont pas du tout raté. Du coup, les mecs, on s'approche de la fin de cette vidéo et moi, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis à lâcher un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas aussi de me soutenir dans la boutique avec le code créateur Toto, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour finir, eh bien on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Fortnite ou de nouveaux lives. Allez, ciao tout le monde !